وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ الحمد لله وكفى السلام على عباده الذين اصطفى أما بعد سورة الانفطار سورة مكية La plupart des sourates qui sont révélées à la Mecque, comme vous avez vu, c'est des sourates qui parlent du jour du jugement dernier, de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, des gens qui ont suivi la guidée, quelle a été leur récompense, des gens qui n'ont pas suivi la guidée, qui l'ont rejetée, quelle a été leur récompense. Fahakada, sourate al-infitar, elle vient sur ce chemin-là, sur cette voie-là. Elle a été révélée dans l'ordre 82, comme dans son ordre dans le Coran. Al-infitar, c'est dans le même sens que l'inshiqaq. La rupture ou bien le fait que ça se casse. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit « Idha as-sama'u infatarat » quand le ciel se rompra ou bien sera déchiré, que les étoiles, elles vont se disperser et elles vont tomber. Et quand les mers se confondront les unes aux autres, ça veut dire que toute la terre, elle sera remplie d'eau. Et quand les tombes seront bouleversées, c'est-à-dire qu'elles vont sortir, ils vont sortir ce qu'il y a en elles. Les morts qui sont dans les tombes quand ils seront ressuscités. Donc cela parle de Yom al-Qiyamah, le jour où le ciel y sera déchiré, où les étoiles elles seront dispersées et elles tomberont, où les mers elles vont comme bouillir et puis se réunir et emplir la terre, où tout ce qu'il y a dans les tombes se sera rejeté. Alors à ce moment-là, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit, « Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat » Chaque âme sera ce qu'elle a devancé et ce qu'elle a remis à plus tard. Et effectivement, dans ce monde-là, on sait, chacun sait dans ce monde ce qu'il a fait. Mais il ne sait pas avec certitude, il oublie, il renie, il rejette. Mais yawm al-qiyamah, chacun aura son livre, où toutes ses œuvres seront notées, les bonnes comme les mauvaises. Et il ne pourra pas renier ce jour-là la réalité de ce qu'il a fait. Ses mains vont témoigner, ses yeux vont témoigner, sa langue va témoigner, la terre va témoigner, ses jambes vont témoigner. Chaque chose va témoigner pour ou contre lui. Donc il ne pourra pas nier la réalité de ce qu'il a fait ce jour-là. Alimat nafsum ma qaddamat wa ma akharat. Chaque âme, ici nafsun elle est venue nakira, mais ce n'est pas, c'est-à-dire indéfini, ce n'est pas pour dire que c'est juste une âme. Chaque âme sera ce qu'elle a devancé comme action pour le retrouver chez Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma akharat, et ce qu'elle a retardé à plus tard et qu'elle n'a pas fait et qu'elle ne retrouvera pas auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis Allah tabarak wa ta'ala interpelle cet homme-là, cet être humain, et lui dit Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim. Oh toi l'être humain, oh toi l'homme, qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur, El Karim? Le noble, le généreux. Les savants disent ici que la question qu'Allah tabaraka wa ta'ala pose, dans cette question, il y a la réponse. C'est quoi qui a trompé l'être humain? C'est justement la noblesse et la générosité d'Allah. Son indulgence. Comme Allah a été généreux avec lui. Il a été indulgent avec lui. Il lui donne malgré qu'il désobéit. Il le protège malgré qu'il l'insulte, malgré qu'il le renie. Il lui donne sa subsistance. Il le protège. Il lui donne des enfants. Donc la générosité d'Allah, c'est ça qui a trompé l'être humain. Alors que si chacun qui faisait des péchés, il enverrait directement les effets dans ce monde et les châtiments entiers dans ce monde. Et ceux qui en font des bonnes actions, ils enverraient les récompenses dans ce monde. Ce serait beaucoup plus simple. Mais Allah a voulu par sa sagesse nous éprouver. De cette manière-là, Allah tend la corde à l'injuste. Mais il ne l'oublie pas. Mais quand il l'attrape, il ne le rate pas, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith. Puis il a lu dans le sens du verset, et voilà quand ton Seigneur frappe les contrées alors qu'elles sont injustes, son coup ou bien son châtiment est douloureux et dur. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc cet être humain, Allah ta'ala lui dit, ya ayyuhal insan, toi l'être humain, qu'Allah a honoré, à qui Allah a tout soumis, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créé son ancêtre biyadihi subhanahu wa ta'ala, qu'il a honoré, il lui a fait se prosterner les anges. Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de ton Seigneur? Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet du jour du jugement dernier? Qu'est-ce qui t'a trompé au sujet de faire des bonnes actions
pour le jour où tu vas rencontrer ton Seigneur, pour te pousser à désobéir à celui qui t'a créé. Ma gharraka bi rabbika al-karim alladhi khalaqak fasawwaka fa'adalaka fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Celui qui t'a créé fasawwaka, qui t'a modelé d'un parfait équilibre. T'as pas un bras plus long que l'autre, beaucoup plus long, une oreille plus grande. Tout est équilibré, bien fait. Fa'adalak. Fa'adalak, comme il est dans une qira'a. Et il t'a fait harmonieusement. Fi ahsani taqwim. Sous la meilleure des formes. La tête vers le haut. Il t'a pas fait une tête d'âne, ou une tête de chien, ou une tête d'animal féroce. Mais il a fait l'être humain d'une manière harmonieuse et parfaite. Fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Il t'a fait comme il a voulu. Il t'a fait à l'image qu'il a voulu, subhanahu wa ta'ala. Il t'a façonné dans la forme qu'il a voulu. Et alhamdulillah, Allah ta'ala a façonné l'être humain sous la meilleure des formes. Nous avons créé l'être humain sous la meilleure des formes. Après nous avoir donné tout cela, il nous rappelle, subhanahu wa ta'ala, qu'il nous a créé et qu'il nous a façonné harmonieusement, qu'il nous a fait équilibrer, qu'il nous a fait sous la meilleure des images. Il ne nous a pas fait sur une image d'un animal avili. Il ne nous a pas mis à quatre pattes, le visage vers le sol, mais il nous a fait debout, la tête en l'air. Naam. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakkabak. Allah Ta'ala, par sa sagesse, il a fait chacun selon l'image qu'il a voulu. Certains clairs, certains foncés, certains très beaux, certains un peu moins beaux. Ça, c'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a façonné, dessiné, subhanahu wa ta'ala. Puis Allah tabarak wa ta'ala dit Kalla bel tukadzibuna bid-din. Non, malgré tout, vous traitez de mensonge ad-din. Kalla, ici, kalimatu rad'in. Certes, non. Tukadzibuna bid-din, vous traitez de mensonge ad-din. Et ad-din, les ulama ont divergé. Ici, est-ce que ça veut dire yom ad-din, le jour de la rétribution, ou bien din, la religion? Et comme est venu dans le qawa'id al-tafsir, si un verset peut être interprété de plusieurs manières et que ces plusieurs manières ne se contredisent pas, alors toutes les manières avec lesquelles il est expliqué sont acceptables et sont le sens de ce verset. Donc quand Allah Ta'ala dit ici de l'être humain qu'il traite de mensonge la religion et il traite de mensonge le jour du jugement dernier, le jour de la rétribution, tout cela, Inch'Allah, ça va dans le même sens. Puis Allah tabarak wa ta'ala dit Kalla bel tukadzibuna bid-din wa inna alaykum la hafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Alors que veillent sur vous des gardiens. Ce sont les anges, ils ne prononcent pas une parole sans qu'il y a auprès de lui un gardien vigilant qui note tout. Ce sont les anges qui notent toutes nos actions. Et Allah tabarak wa ta'ala, ces anges-là, les a appelés comment? Kiram. Ces anges, ils sont nobles. Ce ne sont pas des anges avilis ou d'un mauvais comportement, méchants ou injustes. Ils ne notent pas sur l'être humain des choses qu'il n'a pas faites, que ce qu'il a fait. Ils sont dignes de confiance et ils notent, ils écrivent par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ces anges qui sont nobles, c'est quoi leur caractéristique? Katibin, écrivains, qui écrivent. Ya'lamuna ma taf'alun. Ils savent ce que vous faites. Al-fi'l, c'est tout ce que dit la langue, tout ce qui est fait avec les membres et le cœur aussi, il agit. Donc les anges notent tout ce que l'on dit et tout ce que l'on fait avec nos membres. Et même les actes du cœur, ils les notent. Mais il y a une question ici. Comment ils notent les actes du cœur? Est-ce que les anges savent ce qu'il y a dans les cœurs? C'est Allah tabarak wa ta'ala qui les informe sur cela. Ils ne peuvent pas savoir d'eux-mêmes. Ne sait ce qu'il y a dans les poitrines qu'Allah. Quand on dit « ya'lamuna ma taf'alun », ils savent ce que vous faites. Cette connaissance-là, elle peut venir de plusieurs manières. Ça peut être une connaissance directe à cause du fait qu'ils témoignent de ce que l'on fait et ce que l'on dit. Ou cela peut être une connaissance indirecte du fait qu'Allah tabarak wa ta'ala les informe sur cela. Donc ce que l'on fait d'apparent et ce que l'on dit d'apparent, les anges le notent directement. Mais ce qui est dans nos cœurs, Allah les informe de cela et ils le notent. Non. Inna al-abrar la fi na'im wa inna al-fujjar la fi jahim yaslawnaha yawm ad-din. وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
Donc Allah tabaraka wa ta'ala dit que les bons abrar, c'est le jama', c'est le pluriel de bar, quelqu'un qui est bon. Barun wa fajir. Donc l'abrar, les bons, sont certes dans des délices. Les délices dont Allah tabaraka wa ta'ala parle ici, c'est quels délices? Les gens bons, ils sont dans les délices dans ce monde. Le vrai délice, c'est le délice du cœur. La personne qui a la crainte d'Allah, qui aime Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui est ascète de ce bas monde, alors cette personne-là, elle est dans des délices. Même si tu vois son corps qui est en train de subir des difficultés, mais il vit des délices dans son cœur. Son âme, elle est dans les délices. Il prend le plaisir dans la salat. Il prend le plaisir dans l'évocation d'Allah, dans la lecture du Coran, dans la prière de nuit, dans la sadaqa, dans le jeûne. Jusqu'au point où quand on demande à certains des compagnons, qu'est-ce que tu préfères le plus dans ce bas monde? Il a dit, ce que je préfère le plus, c'est jeûner les journées de grande chaleur. Quelqu'un a dit, qu'est-ce que tu préfères dans ce monde? L'autre, il va dire les voitures, l'autre, il va dire je ne sais quoi. Lui, il a dit, c'est jeûner dans les journées de grande chaleur. Ou bien, me retrouver dans une nuit noire, froide, seul, entouré de mes ennemis. C'est ce qu'il préfère. Subhanallah. Ce que nous, on déteste, c'est ce qu'il préfère. Jusqu'au point où il y a un parmi les Ansar, il était en train de surveiller les croyants alors qu'ils étaient en voyage. Et pendant qu'il les surveillait, il faisait la prière. Il faisait la salat. Pendant qu'il faisait salat, il a reçu une flèche. Il a retiré sa flèche. Il a continué la salat. Il a reçu une deuxième flèche. Il a retiré sa flèche. Il a continué la salat. Il a reçu des flèches sur son corps et il continue la salat. Abdullah ibn Zubayr, il est rapporté que quand il rentrait en salat, il ne bougeait pas, ni les pieds, ni les doigts de pied, ni les mains, jusqu'au point un jour, un mur il s'est écroulé en face de lui, il n'a pas bougé, il n'a même pas tremblé, il n'a même pas tourné la tête. Le mur est tombé en face de lui, il n'a pas bougé. Donc voilà eux, c'était quoi Naïm? Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit « وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ » Celui qui craint de comparaître devant son Seigneur, il aura deux paradis. Certains savants ont dit que c'est un paradis sur terre, un dans l'au-delà. Sur terre, dans le plaisir qu'ils trouvent dans l'ubudiyya, dans la servitude à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'au-delà, les délices. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il priait toute la nuit jusqu'à ce que ses pieds se fendissent, se craquellent, tellement il restait debout. Aïcha radiallahu anha lui a dit, pourquoi fais-tu cela alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs? Il a dit, est-ce que je n'aimerais pas être un serviteur reconnaissant? Il trouvait du plaisir là-dedans, alors qu'Allah lui a pardonné ses péchés passés et futurs. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que la fraîcheur de ses yeux, il l'a trouvée dans la salat. Il disait à Bilal, apaise-nous par l'appel de la prière. Uthman ibn Affan, il lisait dans la rak'a de l'witr le Coran en entier. Ils l'ont assassiné alors qu'il lisait le Coran, radiallahu anhu. Regardez dans quoi ils ont trouvé leur délice, leur plaisir, leur bonheur, leur joie. Dans tout ce qu'on déteste, le jeûne dans les chaleurs torrides, entouré des ennemis dans la nuit noire, froide, seul, contre tous ses ennemis. C'est un fou quelqu'un qui dit ça. Eux, c'est ce qu'ils aiment, parce qu'ils savent que c'est là-dedans qui est la plus grande récompense. Tout ce qu'on voit, nous, qui est détestable pour l'être humain, qui est attaché à ce bas monde, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'aimaient. Ils aimaient ces choses-là, parce qu'ils savaient qu'il y avait une grande récompense dedans. Les actes difficiles, les actes que personne ne veut faire, se sacrifier pour leurs frères, hein, comme Allah tabaraka wa ta'ala les décrit. Et ils devancent les autres sur leurs propres besoins, alors qu'ils sont acculés par le besoin eux-mêmes. Ce compagnon au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a reçu un invité, il a dit qu'il le prend tellement ils sont pauvres, il n'y a pas grand monde pour pouvoir accueillir un invité, lui poser un repas, tellement ils n'ont rien. Il l'a emmené chez lui, il a dit à sa femme d'éteindre la lumière, d'endormir les enfants alors qu'ils avaient faim. Elle a éteint la lumière, ils ont fait croire qu'il mangeait et lui, ils ont laissé juste l'invité manger. Et le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Allah ta'ala lui a révélé, lui a dit, Allah s'est étonné de ce que vous avez fait hier avec votre invité. Voilà comment ils étaient ces hommes. C'est pas ça le délice. Ils avaient goûté au délice dans ce monde. Ils étaient détachés de ce monde. Ils n'en avaient que faire de ce bas monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour de la bataille des fossés, ils avaient tous faim, il faisait froid. Ils ont vu deux pierres attachées sur son ventre. Sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, il casse les roches et il dit « Allahu Akbar, Allah vous a ouvert les trésors des Perses, Allah vous a ouvert les trésors des Byzantins. » Imagine-toi, tu es au milieu du désert, tu es attaqué par tout le monde, tu n'as rien
Quelqu'un il dit vous allez conquérir les Perses et les Romains. Lui il dit on n'arrive même pas à battre une petite tribu qui est à côté de nous. Mais ils ont cru en cela, ils ont eu confiance. Et effectivement, sans moyens, sans rien, avec peu de gens, peu de choses, là, l'islam il s'est répandu en peu d'années de la Chine jusqu'en Europe. En très peu de temps. Il n'y avait ni Internet, ni Facebook, ni Twitter, ni les rooms, ni Walou. Rien du tout. Ils ont conquis le cœur des gens avant de conquérir leur pays. Par leur comportement, par leur certitude en Allah, par l'islam qu'ils mettaient en pratique dans leur vie. Beaucoup de pays sont entrés en islam rien que par les commerçants musulmans, dans la manière dont ils commerçaient avec eux, dans la véracité qu'ils avaient, dans la noblesse qu'ils avaient. C'était des gens nobles. Pourtant, ils étaient au début des gens dans le désert. Mais Allah Ta'ala les a élevés par l'islam. Un parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé comme messager à l'empereur des Perses. Il est arrivé sur un âne, ses pieds, il traînait par terre. Habillé avec des habits tout rapiécés. Il est rentré dans le palais, il a vu, il y avait de la soie, de l'or, ça ne l'a même pas impressionné. Il est rentré normal avec son âne sur le tapis en soie. Arrivé devant l'empereur des Perses, ils l'ont regardé, il a dit, regarde-moi ce bédouin-là. Il ne sait même pas s'habiller, il vient chez notre empereur comme ça. Un autre, un conseiller, lui a dit, prête attention, les Arabes, ils ne donnent pas beaucoup d'attention à l'apparence. Il lui a dit juste trois paroles. Il lui a dit, je suis venu te proposer trois choses. Tu entres en islam, on te laisse dans ta royauté. Tu ne veux pas entrer en islam, tu te soumets aux lois de l'islam et tu payes l'impôt de capitulation. Sinon, on va te combattre jusqu'à qu'on ait une des deux promesses qu'Allah nous a données. Ou bien le martyr, ou bien la victoire. Voilà. Assalam ala man ittaba al-huda, il a fait demi-tour. Voilà comment ils étaient. Il n'a été ni impressionné par ses palais, ni par son armée, ni par sa prestance, ni par rien du tout. Fahakada, le musulman, il est finari. Celui qui craint Allah, qui obéit à Allah et son messager, il est dans la joie dans son cœur, même s'il vit des difficultés dans sa vie de ce bas monde. Qui n'a pas été éprouvé? Tous les prophètes ont été éprouvés. Les gens qui étaient proches des prophètes, alayhi salatu wasalam, ont été éprouvés. Les hommes, puis eux, ils ont été éprouvés. Mais malgré cela, ils vivaient dans les délices. Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, l'imam Ahmed, tous les gens qui ont suivi le pas des prophètes, les héritiers des prophètes, alayhim salatu wassalam, ils ont été châtiés, ils ont été éprouvés, ils ont été torturés. Mais, alhamdulillah, Allah Ta'ala les a protégés. Ils étaient dans les délices, malgré cela. Wa inna al-fujjar la fi jahim. Par contre, les pervers, les libertins, seront certes dans la fournaise. Comme Allah tabarak wa ta'ala a dit, ne sois pas étonné par leurs biens et par leurs enfants. Certes, Allah veut les châtier avec ces choses-là dans ce bas monde et que leur âme soit sortie et alors qu'ils sont mécréants. Tu les vois, ils ont les choses matérielles, mais ces choses matérielles, ils souffrent à cause d'elles. Quand ils les ont, ils ont peur de les perdre et quand ils sont loin, ils sont tristes d'être loin d'eux. Quoi qu'il en soit, il est toujours triste. Amma le musulman, il est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il perde ces choses ou qu'il les ait. Chez lui, c'est la même chose. Alhamdulillah. Naam. Yaslawnaha yawm ad-din. Où ils brûleront donc dans l'enfer, yawm ad-din, le jour de la rétribution. Ad-din, ça veut dire la rétribution, la récompense. Wamahum anha bira'ibin. Et ils seront incapables de s'en échapper de ce jour-là et de la fournaise. Comme Allah tabaraka wa ta'ala a promis que les mécréants seront éternellement en enfer. Et le châtiment ne s'arrêtera pas. Sallallahu alayhi wa sallam. Puis Allah Ta'ala dit: "Wa ma hum anha bigha'ibin wa ma adraka ma yawmuddin, thumma ma adraka ma yawmuddin, yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma idhil lillah." Et qui te dira quel est le jour de la rétribution? Puis qui te dira quel est le jour de la rétribution? Le jour où aucune âme ne pourra rien en faveur d'une autre âme, et c'est le jour où le commandement et l'ordre appartiendra à Allah. Effectivement, Yawm al-Qiyamah, tout le monde va dire Nafsi, Nafsi. Rien que pour demander l'intercession aux messagers et aux prophètes pour que le jugement soit donné, qu'ils arrêtent d'attendre comme ça. Ils vont aller voir les messagers. Ils vont leur demander d'intercéder. Chacun va donner des excuses. Et le seul à qui Allah tabarak wa ta'ala va donner Shafa'at al-Uzma, la grande intercession, est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui va intercéder auprès d'Allah pour que le jugement commence. Et ce jour-là, personne ne possède pour aucune âme aucune aide.
sauf par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a permis d'intercéder par sa faveur subhanahu wa ta'ala. وَالْأَمْرُ يَوْمَ إِذِ لِلَّهِ. Et l'ordre et le commandement appartient ce jour-là à Allah. Est-ce que cela veut dire qu'aujourd'hui le commandement il appartient pas à Allah? Le commandement il appartient toujours à Allah. Mais le jour de la rétribution, on le verra clairement. On verra tout ce qui se passe dans ce jour-là. Dans le même sens que, à qui appartient la royauté aujourd'hui? À Allah, l'unique et le suprême dominateur. Est-ce que cela veut dire qu'avant ce jour-là, Allah, toute la royauté n'appartient pas à Allah? Si. Mais ce jour-là, elle est visible. Elle est apparente. Pareil, le jour de la rétribution, le fait que le commandement appartient à Allah seul sera apparent et visible. Car personne ne pourra se sauver. Et on verra le résultat des actions devant nos yeux. Directement. Ce n'est pas juste un khabar, une annonce. Mais c'est une certitude qu'on voit avec nos yeux que le seul à décider ce jour-là, c'est Allah. Ici, quand on a le cœur voilé par les péchés, par l'orgueil, par les désobéissances, alors on ne voit pas que l'ordre appartient à Allah. Mais celui à qui Allah tabaraka ta'ala a illuminé son cœur par la foi, alors cette personne, elle voit que toute chose est dans l'ordre d'Allah. Et qu'il n'y a rien qui se passe dans ce monde sans son ordre, sans sa sagesse, sans sa science subhanahu wa ta'ala préalable. Et que toute chose est liée à une sagesse. Il n'y a rien qui est fait au hasard ou sans aucun objectif. Mais c'est pour l'épreuve pour laquelle Allah Ta'ala nous a créés et pour laquelle nous allons rendre des comptes. يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وقل رب زدني علما.